de reformer une nouvelle génération. Donc tout va bien. Cet été, on a aussi bien en junior qu'en cadet. Et ça, c'est une grande première. C'est tout à fait historique. Donc on est sur la voie de la reconstruction. Allez, c'est parti. Et c'est donc Wang qui est au service. Wang qui donc se... Chuan. C'est vrai que c'est l'un des joueurs les plus rapides du circuit. Il prend la balle extrêmement tôt, et notamment en revérification du règlement, puisqu'avant on pouvait utiliser la colle rapide depuis le 1er septembre. Quoi, Wang Hao dans le passé. Et un petit peu décroché. Premier break avec le service pour Wang Hao. Oui, bien. Service et première balle avec le coup droit. Et le service, des armes évidemment, de Wang Hao. Et il rate. On change de serveur. Ah oui, excellent ce changement de rythme au milieu de l'échec. Sur ce point-là, a pris l'initiative. Et oui, il est plié ce set. Très très belle fin de set pour Wang Hao. Là, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ces quelques petits points. Deuxième manche, Chuan au service. Un set d'avance pour Wang Hao. Et un gros premier point. Faut qu'il se libère totalement s'il va avoir une chance de... Oh, quel jeu de jambes. Quel jeu de jambes, quelle vivacité. Pour celui qui n'est pas le favori. Bien joué du revers. C'est là où Chuan, faut qu'il soit opportuniste et qu'il en marque un ballon depuis le début. Là, il en a fait deux. Là, c'est trop. Table, hein, tout à fait remarquable, créée pour l'événement. Oh, elle est belle, cette table. Elle est, ouais. Bon, et là, le service, il va pas pouvoir éviter. Hein. Voilà. Ouf. Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner un point sur le service adverse? Je sais pas si on va le revoir, mais c'est relativement haut. Voilà, là il s'en sort bien. Tant mieux pour lui, mais attention. Ouais, il a rien à faire, 8 partout. Non. C'est ce point-là. Quelle défense! Énorme défense de Wang Hao, 11-10 et balle de 7. Jeu à ce jeu. 11-10. Oula, ouais. C'est fini. Pour ce troisième set, il oppose un Chinois de Chine, Wang Hao le numéro 1 mondial, un Chinois de Taïwan. Deux sets là, ces deux premiers sets aux avantages. Un peu bêtement, il faut le dire. Avec des occasions. Mondial, il ne doit pas surjouer, il doit rester dans sa filière. Toujours un. Allez, il a quand même encore la possibilité de gagner ce set. Ah oui, il va aller chercher encore ce point. Ça va faire beaucoup. Hein. Allez, on y croit quand même encore pour Chuan qui défend bien là. Oh, super. Oui. Là, il avait un bon tempo en défense. Allez. Oui, là c'est lui qui a le compte. Encore ce service là, rentrant, lifté dans le revers. Là c'est bien, voilà. C'est bien, là il a anticipé, il a pris pour le Chinois. Et voilà, et troisième set pour Wang Hao qui mène donc 3 sets à rien dans cette rencontre. Oh, c'est lui et il mène 3 sets à 0 et maintenant 2 à 0 dans cette quatrième manche, autant dire qu'il domine. Ils font jeu égal et puis dans le Money Time il y a une différence qui se. Dans cette quatrième manche. Ah oui, là c'est parti très parfois c'est comme ça qu'on revient dans un match. Ouais, encore ne faut-il pas trop. Maintenant, absolument certaine. Il est vraiment impressionnant, Wang Hao.
Allez, c'est Wangao là. 9-9, remettre un petit peu de pression sur, sur Wangao. Et voilà, c'est facile. Et bien voilà, c'est plié, et bien plié. Wangao s'impose 4-7 à rien. Impressionnant Wangao, hein, c'est lui qui est le tenant du titre dans cette Coupe du Monde. Et lui qui est très très bien parti parce que le voilà déjà qualifié pour les quarts de finale dans cette poule. Il a vraiment été dominateur de bout en bout. Oui, complètement, ouais, on l'a senti à son aise. Même quand c'était un peu serré, on sentait qu'il avait une petite marge de sécurité. Et la gestion de ses fins de set a été impressionnante, j'ai trouvé. Allez, on marque une petite pause et on revient rapidement à Liège.